Bonjour à tous et bienvenue sur notre nouvel épisode Europa Universalis 4 sur, je sais plus, Basilius, voilà. Non, parce que je cherche hein, entre Swedenish de Tower Power, de Forodin, tout le bordel, c'est un peu le brasar. Merde. On rassemble, on a dit 7000 hommes, donc 6. On dégage ça, histoire de... Après, je vous dis honnêtement, à Circassie, ouais, j'ai plus de diplomates. On va ramener celui qui est en Autriche. Circassie, je veux ça, ça. Toutes tes thunes. Voir réparation. Voilà. Je veux pas plus, j'ai pas besoin de plus. Voilà, comme ça, l'avantage, c'est que maintenant, je rejoins toutes mes provinces. Oh putain, c'est beau ça, les Russes. Ok, entre-temps, on va Corée. Normalement, on va pas avoir de révolte risque, si, un petit peu. Bon, on s'en fout, honnêtement, je vous dirais des provinces, là, on augmente. Voilà, et avec tout ça, on va aller se placer pour mettre sur la gueule de la Russie. C'est des quoi ceux-là? Des Georgiens. Ça c'est quoi? La Georgie a une claim dessus? Ouais, donc, et là... Non, par contre on va se mettre ici, parce que ces gros cons, ils vont traverser la frontière, je sens. La paix avec l'Ottoman est terminée. Ok, super, donc l'Ottoman... Diplomatie, déclare war... Show superiority... 1, 2, 3, 4... Un boulou. Un là. Un là. Un là. Et le dernier là-bas. Est-ce que lui... Voilà, on peut lui refiler le général. Ce serait pas mal aussi pour l'arrivée. Oh putain! Il gros bille le mec! J'en reviens pas, je vais perdre. Oh là là! Ça, ça pue si je perds par contre. Ou je gagne. Putain! J'ai un anus en plastique. Hop, on laisse ça, on prend ça, et on va aller lui mettre sur la gueule là-bas. Voilà, très bien. Donc à partir de là, la guerre, elle est terminée. Est-ce que Blaireau, il a réussi à me... Il a toujours pas converti. Ah, bravo, putain. Byzance occupe Bozok. Là, ici. Elle est où mon infanterie qui reste? Il manque une infanterie, là. Ah bah oui, il est là. 2. Les canons. Le canon. Byzance occupe Bolou, très bien. Voilà. On rassemble. Les Muritiens séparatistes, on s'en fout, je vous dirais. Pourquoi ils sont pas contents, eux, d'ailleurs? Ah, ça va être à cause... Ouais, c'est à cause de leur extension. Ok. Ma flotte, on va aller là-bas, histoire de voir ce qui se passe avec les rebelles. Le siège de Konya est terminé, très bien, 6-4-6. Oh, c'est bon.
En fait, ce qui m'emmerderait, c'est que les... Parce qu'en fait, je réfléchis, mais je parle pas des fois. En fait, c'est que les 31 000, s'ils commencent à se mettre ici, et surtout à venir me choper Kuban et Temaranata, ce serait un petit peu chiant. Le clergé, c'est le tax modifier. Donc, hop, hop. 7. Le plus de taxes, c'est où? Merde. À Constantinople, ouais, ou à... Je suis con, moi. Crète, Macédoine, Thessalique. Donc Crète, je crois que je l'aurais déjà donné. Ouais. Crète, Macédoine. Ouais. Thessalique. C'est ici. Hop, le clergé. Voilà. Argent. Là, on est en train de faire ça. L'Ottoman, même pas dans tes rêves. Oh, c'est beau ça. Oui, re l'Autriche. L'Autriche, on va réimprouver les relations. On va le maintenir. Ah putain, dès que j'ai fini ma guerre, il sera ok l'Autrichien. Là, vite fait, là. Allez hop, l'Ottoman, on se dépêche. Rhodes. Diplomatie. Ouais, et Sio, c'est ici. Ah merde, j'ai fini. Donc on va rappeler l'Autrichien, ouais. Pour faire la paix avec l'Ottoman. Hop. Voilà. Au revoir. Et voilà, l'Ottoman n'existe plus. Donc, j'ai ça. Ça. Quelle taille ça? 13 de développement, 11 de développement, 15. Oh putain. Oh, les provinces de malade mental, quoi. On va lui refourguer Sivas. On va lui refourguer Erzurum. Ou Erzincan, ouais, pareil, même combat. On va lui refourguer Amsassia. On va lui refourguer Bozok. Non! D'abord, premier lieu, vite faire l'alliance avec l'Autriche. Eh putain! Fais chier. Bolou, ouais. Voilà. On a mis dit où j'ai dit Bolou et Bozok. Bozok et Bolou. Ensuite, lui, hop, plaquette local rulers. Voilà, très bien. Maintenant, on est potes, on va pouvoir se marier. Voilà, maintenant il me kiffe, on se marie. Et voilà, on est tranquille. Voilà, hop, on rassemble tout ça. Voilà, très bien. Ensuite, annihiler Venise. Oh, c'est une bonne idée ça. Ça me plaît bien, annihiler Venise. Ils sont... Ah non, merde, c'est là-bas Venise encore. Venise. Putain, l'enculé.
tu les... Non, on va pas ni les Venise, c'est un peu gros pour moi pour l'instant encore. Avoir une armée plus gros que les Mamelouks. 16, 32, 48, on prend. Ensuite, ouais. Bolou. On s'en fout qu'il se rebelle un peu. Bozok et Boulou, ouais, normal. Lui en train de corer, ce serait bien par contre que tu me convertisses un peu, bestiaux. Kandar, défensive, super. Ah bah avec lui, on va aller loin. On rigole. Ensuite, là, combien on peut avoir de mecs? Hop. Voilà. La flotte. Bon, on va commencer à faire des navires de transport. Hop, ici. Ensuite, les bâtiments. Non. Est-ce que j'ai des provinces un tout petit peu riches? Oh, pas de taxes, quoi. C'est la dèche. Les provinces qui produisent. 0,15, on va prendre. C'est la dèche. 0,15. Ok. Force limite, on va se faire ça par contre. Voilà. On va garder des thunes de côté. Artiste ottoman à Konya. Voilà, on se protège contre les Mamelouks. Converte Bozok orthodoxe, je prends. Ensuite, oui, qu'est-ce que je voulais faire? Oui, toujours l'Autrichien. Diplomatie, on va réimprouver les relations avec lui. Pareil ici. Un L33, putain, il va plus vite que moi. Annick et Circassie, ouais. On va le maintenir. Bah, de l'agressive expansion, j'ai tapé l'autre, j'ai tapé l'ottoman, quoi. Où est-ce qu'il voit de l'expansion agressive? Une claim sur Rod, ouais, très bien. D'allier avec Venise. Si j'arrive à avoir l'Autrichien en allié, là ça devient super parce que l'Autrichien en allié ça me permet d'aller mettre sur la gueule. Je déclare la guerre au Mamelouk, au Tabarestan, histoire de. Ouais. Diplomatie, on va fabriquer de la claim, Karaman. Trade efficiency, hop. Adig et Corée. On va le maintenir. Missionnaire, ça avance. Le corps construction avance. Alors que je regarde un truc, c'est Arkasi. Pourquoi il risque de surveiller un 7, je pense quoi, l'overextension, c'est ça. In Zeta. Très bien. Zeta, c'est où? Zeta côté. Ou je sais, j'ai un doctorat en blague pas drôle. Zeta.
Oh putain, à l'autre bout du monde, quoi, en plus. On va recruter un leader. On va l'envoyer à Zeta. Lui, on va l'envoyer ici. Et lui, on va l'envoyer ici. Où est-ce que ça reste se révolter? À Bozok et Boulou, on s'en fout, voilà, Boulou, ils vont se détendre. On va attendre un tout petit peu que ça ait fini. Merde, c'est à Kutaya maintenant qu'ils veulent pop. Kutaya. Boulou, c'est quoi les risques? Non, donc c'est pas vrai, ils vont pas popper. On va à Kutaya. Ouais, très bien. Lui... On va le rapatrier à Boulou. Lui, on va lui fourguer le général. Et c'est où les Ottomans qui veulent popper à Konya? À Kutaya. Voilà, on les fait popper. Voilà, il commence à prendre cher. Bon, j'ai pris cher moi aussi, on me fait, en fait. Donc lui, on va le mettre là. Et lui... À Boulou, on va aller parce que... Voilà. Convertir Bozok aux orthodoxes. Éthiopie. Bah, hop. Là, convertir Konya. Éthiopie. Oh les pauvres, ils se font attaquer par tout le monde quoi. L'Éthiopie c'est le gangbang de l'univers. Là. Et lui le bestiau là, il arrive à me convertir un peu tout ça? Non, toujours pas, toujours pas. Putain le blaireau. Les Eretnites, c'est qui ceux-là? Bozok, ouais, mais ils disparaissent. Eux, c'est où? Imiriti, Abkhazie, on s'en fout, ils vont disparaître. Et séparatistes ottomans à Konya. À Kayseri. Allez, bientôt. Les rebelles, les missionnaires, ouais, tout se passe bien pour l'instant, ça va. Pour l'instant, on est bien. Ça, c'est un peu tendu, mais... Fou, les Mamelouks. Est-ce que ça a un impact sur l'Autriche? L'année prochaine avec un peu de chance. Voyons. Hongrie, Moscou. Tabarestan et le Mamelouk. Le Mamelouk, il a quelle taille d'armée? Il a 30... Oh, il a 33 000 hommes. Tabarestan 20... Ah oui, Tabarestan 23 000 quand même. Ouf. Si je lui déclarais la guerre.
Hop. Mes galères. On les envoie là-bas, on les upgrade. On va les envoyer vite fait là. Je sais pas s'ils sont upgradés. Il me faut 408, merde. Ah merde. 408, bon. Donc, non. On split. Eux, ils me protègent Constantinople. Et eux, on les upgrade et ils me protègent Constantinople. Voilà. C'est quoi ce flottant carton qui navigue alors qu'ils sont tout cassés? Et bon, vous avez entendu le tuning de fin d'épisode, donc on va arrêter l'épisode là. Donc voilà. Sur ce, eh ben je vous dis ben bye bye, à la prochaine, à plus !